Ouais, il y a quelqu'un? C'est de l'essence dans vos réservoirs? Non? Ah, je vais voir par moi-même. Salut tout le monde, je suis Ina, la seule et l'unique, et aujourd'hui on se retrouve pour un huitième Plus d'essence. Oui, j'avais compris. Épisode de Tomb Raiders. Je... Bonjour monsieur. Je vais d'abord fouiller la maison. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que... Non, ils se sont pas pris une balle dans la tête. Ils ont été trépanés. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Que... Quoi? Ah, de l'allume-feu. Ça devrait marcher. D'accord. Maintenez X pour allumer une torche. Parfait, je peux l'allumer n'importe où maintenant. C'est bien. Je peux pas prendre la petite flasque. Non, c'était amusant. Pouf, 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 pouf. Oui, j'ai compris le texte. Barre-toi. Parfait. Éteins. Voilà, parfait. Maintenant. C'est dur. Mais pour non mais ah. Ok, ça me semble être une terrible idée. Ça me semble être une terrible idée. Cours, cours, tire. Bon, bah voilà. Il n'est pas top comme signal, mais... Et merde. Pardon? Mais d'où? D'où tu te permets de me parler depuis les nuages? Je savais que c'était une terriblement mauvaise idée, hein. Je le savais, hein, mais c'est pas grave. Ah, je me fais poursuivre par un avion! C'est plus fun quand c'est pas la réalité. Mais c'est pas la réalité. Youhou! Qu'est-ce que... Wouhou! C'est parti! Ah, ça glisse! Ça glisse, les débris glissent et se volatilisent. Non, ça c'est pas un truc à prendre. Blablabla. Stop, 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 stop. Non, ça, et merde, et merde. Oh putain. C'est pas passé loin. Ah oui, c'est vrai que t'as un truc dans le bide. T'as un gros trou dans le bide, mais bon. Le pilote. Je dois le retrouver. Mais suis le parachute, ma belle. Suis le parachute, c'est pas bien compliqué. Le plus compliqué, c'est d'arriver avant les autres. Trapèze. Les barres suspendues s'utilisent comme des trapèzes. Ok, les bannières s'utilisent comme des trapèzes. Oui, tchao. Qui a eu l'idée de foutre une maison sur un terrain dans une situation aussi pentue? Ah putain! Naise! C'est bon! Ça passe! Oui! Ah oui, le trapèze! Ah, j'ai même pas besoin de sauter pour. Loup de parachute! Il y a tout qui se cache, j'espère qu'il est pas en dessous ou en dessous, hein, parce que là, je vois un milliard de déchets. Laissez-moi. Mais aide. Mais Lara, qu'est-ce que tu fous? Lara, tu es là. Tire, connasse.
là, non mais oh. Bon, on va looter lui et le... On va looter lui. Mais il est pas lootable. Ah, l'arnaque. Bon, je peux comprendre. Qu'est-ce que c'est? Du thé. Par contre, le... Oh. On va récupérer ça. Ça, ça se brûle, par contre. Parfait. Parfait. Brûlons des trucs dans une maison en bois qui ne risque absolument pas de s'enflammer et qui est je sais pas combien de milliers de mètres au-dessus du vide. Je disais par contre les gens qui ont, sont venus construire leur maison ici, je veux bien qu'on m'explique ce qui leur est passé par la tête. Parce que... T'éternues de travers, tu te viandes mais... Direction le vide infernal. On voit même pas le sol. Bon. Oui. Bon bah le SES, tout ça, c'est un échec. Mais au moins on a un petit feu de camp pour se reposer. Pas à chasser cette idée de mon esprit. Quelle idée? Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. T'es... C'est pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel là. Oui, et la voix. Et la voix, il t'a entendu, conne. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. T'es une abrutie. Maintenant, ils sont morts. Elle est belle, cette Lara Croft. Bon. Prenons ça. Frein de boule, ici, produit... Pour réduire le recul, voilà. Parfait. Et ça, j'ai toujours rien. Hein. Trouver une nouvelle pièce pour... Ah, d'accord. Il faut encore une nouvelle pièce. Et là, trouver trois nouvelles pièces. D'accord. D'accord, ceci explique cela. Je ne sais absolument plus ce que je veux prendre ici. Castagneur. Subissez plus de dégâts lors des combats sans y laisser votre peau. Ouh. Utilisez la poussière et les cailloux. En vrai... Face au type à bouclier, ça pourrait être essentiel. Mais on va regarder un petit peu les autres. Tout est bloqué, donc je ne peux rien. Quasiment tout est bloqué. Ah ouais, bien le choix. Bien le choix. Appuyez sur B pour ramper, puis sur Y pour lancer de la poussière et les aveugles. Parfait. Mais j'ai l'impression que quand tu fais une esquive et que tu tires derrière... Ça se met automatiquement sur la personne, en fait. Donc, je ne sais pas. Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie nulle part. J'ai tué quelqu'un. Ils ont comme encerclé l'avion. Écoute, Lara, j'ai vu le crash de là où je suis. Donc, tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. Ok, t'es où, connard? J'arrive. Faudrait que j'arrive d'insulter tout le monde, hein. Mais ils sont tous cons! Ah oui, forcément. Je veux dire, j'étais au sommet de la montagne. L'avion, il était passé au-dessus de moi. Forcément, tu l'as vu. La moitié de la montagne doit l'avoir vu. Lumière de nuage. What? Quelle merde. Par ici. Ouais, bla... Dégage. Ça fait bizarre. Merci d'avoir visé directement. Qu'est-ce que... Quoi? Tu te fous de ma gueule? La corde, j'en avais des milliards avant. RB. Et ensuite... Ah! De nouvelles stratégies s'offrent à nous! Quoi? Allez! Ah putain! Non, j'aimerais looter monsieur. Excusez-moi, voilà!
Derrière toi, enfoiré. Ah bah non, devant toi. Tac. Ça, c'est dans la tête. Faudrait que vous appeliez les Stormtroopers, vraiment. Hein. Je vois les tirs passer à ma gauche, à ma droite. Mais jamais me toucher. Hein. T'es encore en vie? Bon, à un moment, ça suffit. T'arrêtes de te cacher! On est où? Il doit y avoir un moyen de monter. Faites grave pas appuyer sur la B quand vous utilisez l'arc pour tirer une... Oui, j'avais compris. C'est à ça que servent donc les cordes. Oh là, il y a un truc! Ah, une chose! Et dans la flotte, là, c'est ce que je vois, c'est... C'est quoi ça? Mais c'est un quelqu'un! Mais je peux pas le looter! Si je l'ai looté. D'accord. Enfin, je crois que j'ai looté. Hop! Ok. Bon, je peux m'en accrocher. Je peux m'y accrocher. C'est à la base. Et oui. J'aurais presque envie de tirer dedans pour voir si ça fait boum. Mais on va s'abstenir. Oh merci, pardon. C'est vrai qu'il y a du loot ici aussi. C'est tout, il n'y avait pas un truc. Ah bah non, il était en bas. Bon bah avançons, progressons. Ça me semble un bon endroit pour s'accrocher. Pont de corde, utiliser les flèches grappins, puis des poteaux, j'imagine, pour... D'accord, ça le fait automatiquement, c'est sympa. Y a-t-il des choses qui se cachent? J'aurais caché un truc ici, moi. Non? Si t'étais trop évident. Par contre, j'ai vu la jolie boîte orange. Hein. Hop. Elle est super douée pour... Oh, je viens de voir. Il aurait fallu que je passe de l'autre côté. C'est pas grave, c'est que des écrous, 2-3 personnes de moins et c'est réglé. J'en ai pas besoin. Allez, Sésame, ouvre-toi. Mais où il est? What? Ça glisse. Ah. Oh. Je suis contente de te voir. Je suis contente d'être tombée sur toi. Tout se passe très bien, il y a eu cette... Tout se passe... Quoi? Elle est venue de nulle part. Ah, ok, avant le crash. C'est moi avant qui vous ai fait venir, Ross. On trouvera un moyen. Mayday, Mayday, ici le copilote Jessop de l'avion November 177 Alpha. Allô? Qu'est-ce que tu veux faire avec le pilote? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessop, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. Ah, je m'entends pas. Je vais à sa rencontre. Bon, il... non, le sauver, je sais pas. D'abord aider nos compagnons. Je suis d'accord. On se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je suis d'accord. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui dire. Si tu peux. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Sois pas conne. Je sais. Je connais les sacrifices. Non, tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Ah, c'est... ah non, ça c'est là d'où je viens. Oh, cosy le petit coin. Vraiment, j'aime. Je vais te parler. Ok, c'est pas te parler, c'était le feu, d'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Les fumigènes. C'est bleu les fumigènes, c'est pas rouge d'habitude, je sais pas.
Je ne sais point, je ne sais point, je ne sais pas. En même temps, je préfère le rouge. Oui, et... Ah. Tac. Par. Oui. Moi, personne là-haut. T'as sûrement raison, mais on a des ordres. Je vais rejoindre les autres à l'avion. Continue à fouiller les ruines. C'est le moment de l'élimination furtive! C'est toi d'être par ici! Bordel de merde! J'attaque par le flanc! Ouais, c'est de la consommation! Non, non, y'a rien! Bon, d'accord, tiens! Dans l'œil, ça t'apprendra! Vraiment? Excusez-moi, monsieur, vraiment? Non mais s'il vous plaît, un moment! Je me suis littéralement tenu devant lui et lui, il a pas été fouqué de me toucher. Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville. Cet endroit, c'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui, on ne va pas venir vous rejoindre. D'accord, on va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Ces trucs-là, c'est destructible. Mais je sais pas encore comment. Mais regardez, il y a des trucs derrière. Oh là là! Qu'est-ce que... Très courant dans la médecine japonaise par les plantes, appelée Kampo. Cette fiole a l'air très ancienne. Ce sont probablement des champignons maïtake, des champignons des fous d'encens. Ils sont utilisés pour renforcer le système immunitaire. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Ah là là. Que des stormtroopers. Ça, par contre, ça s'allume. Voilà. J'aime les défis. Sur la chariote. Voilà. Oui, je ne sais pas s'il y a des gens en dessous, mais c'est pas grave. Oh mon Dieu, toute une zone avec des milliards de choses cachées que l'on ne va pas explorer. Ouais, non. Je me demandais si c'était pas une map qu'on avait, par laquelle on était déjà passé, mais ça ne me dit absolument rien. Et après, je suis un poisson rouge. Bon. Voilà le signal. Arc. Tac! Ça tiendra jamais. C'est pas grave. Au pied de la statue, sérieusement! Vous ne pouviez pas faire plus Kino. Merci. J'ai cru que je savais plus. Ferme-la et laisse-moi finir. Alex! Tac! Oh, il m'a touché. C'est parce que j'ai bougé. On félicitera l'intelligence de nos adversaires. Je vois pas ce qu'on pourra faire d'autre de toute façon. Ah, je sais. Mais je suis passé de l'autre côté là. Mais je vais pas être de ce côté là moi. Je vais rester là. On reviendra dans le coin avec le bonhomme ou pas, mais on repassera. Nous continuons. Ne progressons pas à recul. Ah. Ah. Ah.
Très bien. Va pour un petit peu d'énigmes. Bon, ici, je ne peux pas courir, donc je ne m'attends pas à rencontrer de forme de vie hostile. Ou d'environnement hostile, plus globalement. Donc, tout va bien. Papapapa. Ça, je prends. Donc, pour les... Oh ! Ah oui ! Papapapa. Oui ? Lara ? Je sais pas, elle s'est arrêtée un moment. Oh, c'est joli. C'est un ruban ou c'est de la flotte? C'est peut-être du vent pour la tempête. Pourquoi tu te mets soudainement à courir? Pourquoi t'as éteint ta torche? Pourquoi t'es conne? Tombe au phallus facultatif, la salle de l'ascension. Ah! Je sais pas où on va ascender, mais. Parfait. Oui, puis-je? Excusez-moi deux secondes, j'ai un feu de camp. Je vais en profiter pour upgrade. Ah, recro. Échange d'armes, blablabla. Oui, je veux. Bon, voir un petit peu ce que ça peut changer. Attends. Flèche grappin. Ok. Tige renforcée. Petite corde renforcée. Gâchette porte-clé. Ah, ça c'est. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais ouais, on prend. Très pratique comme machin. Ça souffle! Je me demande si je tire une flèche. Est-ce qu'elle va droit ou pas? Aucune idée, elle a disparu. Cela faisait autrefois partie du Yamatai. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Oh, le bidet! Waouh, mais il est creux! Mais c'est trop bien! J'imagine qu'ils s'attendent à ce qu'on grimpe. Je crois que y a ça. D'accord. C'est bon, j'y suis, je tiens. C'était facile. Les trucs timés existent depuis très longtemps. Il y en avait exactement du même style en contraste. C'est tout. Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand? C'est tout. Mais c'est quoi cette protection? On dirait un soleil. On dirait un soleil. Madame? Madame, probablement. Et vous êtes en train de me dire qu'avec le truc éventré comme ça, personne n'est jamais venu ici le piller? Laisse-moi deviner, c'est rempli de pièces d'or, c'est ça? Et on va juste en prendre une, hein? Voilà, qu'est-ce que je disais. Regardez la taille de ces pièces d'or. Prenons le plus petit truc. Parfait. Ouais. Oh, une pièce de pistolet. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Cette pièce de pistolet est vraiment antique. Quoi qu'il en soit, moi... Quoique, remarque, s'ils avaient un pistolet à l'époque, pas étonnant que ce soit considéré comme une relique, un trésor. Bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu.
Je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à la prochaine.